Bonjour à tous, alors voici ce que donne ce gilet chauffant. Alors là je l'ai ouvert, on voit la face intérieure avec complètement écarté. En fait là c'est au niveau des poches. Là vous avez ici au centre les quatre plaques centrales. Vous voyez qu'on dépasse les 55 degrés sur les quatre plaques qui sont en fait au niveau du dos. Vous avez l'autre plaque avant qui est là. À l'extrémité droite, là vous avez la batterie. Vous voyez 30 degrés, donc elle. Au niveau du connecteur, ça reste une température raisonnable, elle ne chauffe pas énormément. Les plaques au niveau des épaules, on est à 30 degrés, 35 degrés, et au niveau du cou, on monte à 38. Donc ça dégage une chaleur très confortable au niveau le plus élevé. Je vais rebasculer pour vous montrer un peu ce que ça donne en vidéo normale. Donc voici donc la vue en normal, hein, de ce que je vous montrais donc en thermique un peu avant. Avec donc les plaques dorsales qui sont situées à ce niveau-là, qui montent à 55 degrés, 38 degrés au niveau du col, on était à peu près à 35 degrés au niveau des épaules, pareil au niveau des poches, donc les résistances avant. Alors au niveau du gilet à l'intérieur, c'est très très doux, c'est très agréable. Vous voyez, on peut le laver jusqu'à 30 degrés, bien entendu, il faudra retirer la batterie et mettre le petit capuchon sur le connecteur USB. La batterie se range dans cette poche. De l'autre côté, vous avez une petite poche avec un velcro, une poche intérieure. À l'extérieur, alors c'est un débardeur, hein, sans manche. À l'extérieur, vous avez des poches avec fermeture éclair, étanche à la pluie, hein, avec des petites tirettes, donc manœuvrables avec ou sans dents. La fermeture éclair protège très bien et l'avant est bien coupe-vent. Donc vraiment très agréable pour l'hiver.